Lille 10e accueille Lorient 18e, match en retard de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une victoire sur les 5 derniers matchs seulement à domicile pour le LOSC. En plus, Benjamin André est suspendu, méfiance donc pour Lille. Lorient de son côté reste sur 2 matchs nuls après une série de défaites. Un petit peu rassurant, mais il faudrait plus de points pour les Bretons. Ils vont évoluer avec Lorienté et Mofi devant. Lille de son côté peut compter sur Liadji, Bamba, David et Yilmaz. Atem Ben Arfa, dernière recrue du club, n'est pas encore dans le groupe. Ballon très confus devant le but lorientais. Isaac Liadji en profite. Le joueur formé à l'Olympique de Marseille marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Il est placé au bon endroit pour bénéficier de ce rebond improbable. Nardi repousse sur un de ses coéquipiers. Liadji est le mieux placé. Le coup franc ensuite pour le LOSC, un ballon encore dévié que Nardi ne peut bien négocier. 2-0 et le but est de Moritz Jens contre son camp. Le défenseur allemand est le dernier à toucher la balle. Ça lui rebondit dessus. Et c'est le seul joueur de la saison à marquer un deuxième but contre son camp en Ligue 1 Uber Eats. 2-0 déjà pour Lille. Et ça continue à revenir sur le but orienté. Sortie de Paul Nardi manquée. Reynildo en profite, servi par Renato Sanchez à la 31e minute, ça fait 3-0. Et premier but en Ligue 1 Uber Eats pour l'international mozambicain Reynildo. 3 buts marqués très tôt, c'est la première fois que Lille inscrit 3 buts aussi vite depuis 2013. Et c'était déjà contre Lorient. Le LOSC s'est donc largement détaché et continue à insister. Cette fois-ci, Nardi peut repousser. Mais l'équipe de Christophe Pélissier est en grande difficulté. Le score est de 3-0 à la mi-temps. En seconde période, Lorient essaye de se relancer, mais c'est difficile pour les Merlus. Une petite chance sur ce tir. C'est signé Terem Mofi. Et sauvé par Gerbic. Ça va un petit peu mieux pour l'équipe bretonne en seconde période. Ce sont les visiteurs qui proposent le plus d'action alors que Lille gère son résultat et le chronomètre. Encore une possibilité peut-être pour les Lorientais. Avec un ballon très fort repoussé encore une fois par Gerbic. Il y a quelques bonnes séquences mais ça ne passe pas. Lille a déjà match gagné, mais Lorient ne désarme pas. C'est à mettre au crédit des Merlus. Avec ce tir repoussé par Gerbic directement dans les pieds de Sambou Soumano. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour ce jeune joueur. On joue le temps additionnel de la partie. Une petite récompense des efforts lorientais en seconde période. Mais Lille avait déjà beaucoup de marge. Victoire de Lille contre Lorient sur un score de 3 buts à 1. Lille remonte à la 8e place de la Ligue 1 Uber Eats.